Et bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, dans ce nouvel épisode des aventures de Petit Mécasto qui est en train de prendre le contrôle de la chaîne. Voilà, je ne fais plus que du WoW, j'arrive plus à jouer autre chose que WoW. Bah, c'est compliqué, hein. Mais bon, tant mieux. WoW, c'est un super jeu, donc ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Mesdames et messieurs, on est reparti pour un petit épisode tranquillou. Et aujourd'hui, on va faire l'épisode de bonus. L'épisode de bonus la recherche de familier. Je vous ai dit, hein, j'en ai 50 et quelques à ramasser. 58 exactement. C'est pas très cher ça. Donc on va y aller, hein. On va y aller, même s'il y en a beaucoup qu'on peut pas récupérer pour l'instant parce qu'on n'a pas les levels, parce qu'on n'a pas voilà, beaucoup de choses. Il y a quand même des familiers qu'on peut récupérer. Je rappelle encore une fois, Petopia, le site. Vraiment très très cool pour avoir ben, la liste des familiers. Comme ça, vous faites votre petite sélection. Tout est trié hein, par rareté, par mob, enfin vraiment par type de monstre et tout ça, par skin unique. Vous avez tout ce que vous voulez. Bon, parlons peu, parlons bien, let's go. Alors, il va falloir qu'on aille dans plein d'endroits différents. Comme d'habitude, je sais pas combien de temps va durer cet épisode, mais c'est pas grave, on s'en fout. Où est là le stylo? Et on va commencer par. On va rester chez nous. Vous savez quoi? On va rester chez nous. Et je crois qu'on a récupéré d'ailleurs les trucs de vol, donc comme ça, on va pas s'emmerder. On va, à moins que... Attendez, je réfléchis, parce que là, il faut qu'on aille dans les clairières de Tirisfol. Dans les clairières de Tirisfol, parce qu'on a... Muad, si je dis pas de conneries, qu'il faudrait qu'on aille récupérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a par là. Hein. On en a Nocturne, voilà aussi. C'est des familiers éthérés qui sont vraiment stylés. Et on va y aller en vol. On va y aller en vol, on va pas s'emmerder. Comme ça me fera l'occasion de discuter un petit peu avec vous. Parce que j'ai des trucs à vous dire. On va là-bas. Allez-y! Donc! Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai reçu un message qui m'a vraiment fait plaisir. Comme d'habitude, j'essaye toujours de répondre à tous les messages et de lire tous les messages. N'hésitez pas, hein. Comme d'habitude, ça fait plus de 7 ans maintenant que cette chaîne existe. Et je crois pas avoir raté de messages dans les commentaires. Après, si ça a été le cas, bah, désolé. Mais je pense que 99,9% ont été lus, répondus, tout ça. Et donc, ouais, un message. Je me rappelle plus de ton pseudo si tu regardes cette vidéo. Désolé, mais de quelqu'un qui vient de commencer le jeu, en fait. Qui vient tout juste de se lancer dans World of Warcraft et qui est un peu paumé. Alors, c'est vrai que mes vidéos sont pas forcément, du moins celles-ci, des vidéos qui sont excellentes en termes de guide pour des gens qui débuteraient parce que ben, ça fait plus de 20, enfin, ça fait plus de 19 ans, quasiment 20 ans que je joue à ce jeu, avec des pauses entre-temps, bien sûr, et tout. Et effectivement, du coup, j'ai des habitudes, des trucs sur lesquels je vais très vite parce que ben, ça fait très longtemps que je joue au jeu. Donc si c'est des trucs qui vous paraissent un peu bizarres et que vous comprenez pas, c'est un peu normal. Parce qu'après autant de temps on fait des trucs machinalement, par réflexe, et alors qu'en vrai, si ça se trouve, bon, c'est des trucs que vous comprenez pas. En tout cas, si c'est le cas, comme j'ai dit juste avant, je réponds aux commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. Et en plus de ça, beaucoup de gens qui sont dans les commentaires aussi partagent des infos, répondent et tout. Bon, je vais pas me souvenir de tout le monde, mais il y a par exemple Jack qui est très souvent poste des informations par rapport à des choses à récupérer, par exemple des événements sur Twitch, où quand tu regardes pendant un petit moment, t'as tel ou tel objet qui peut être là, ou des informations sur des quêtes. Ou... Il y a Crash Bandicoot aussi, qui connaît beaucoup, enfin Sandra aussi, enfin il y a beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps, je vous remercie énormément. J'ai pas tout, encore une fois, les pseudos en tête, mais qui répondent aux commentaires au pire, donc n'hésitez pas, hein, même si moi je le fais aussi, à poser vos questions si jamais vous avez des trucs que vous pouvez pas trop suivre ou qui vous paraissent un peu flous. Ensuite, un conseil que... LE conseil, en fait. Si j'ai un seul conseil à donner aux gens qui commencent WoW ou qui reprennent WoW après une longue pause, parce que le jeu a beaucoup changé, c'est de ne pas être pressé. Ça, c'est la règle numéro 1 de World of Warcraft. Ne vraiment pas être pressé. C'est un peu difficile parce que c'est plus vraiment trop les jeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait déjà, avec des guides, avec des infos, où aller, comment récupérer des trucs, comment faire
pour avoir le meilleur objet, le meilleur... Enfin, voilà, aujourd'hui on sait déjà tout avant que le jeu sorte en fait. Et WoW, même si on connaît déjà la façon de récupérer un item ou autre, c'est un MMO qui a une quantité colossale d'informations qui vous jette à la tronche. Il y a vraiment... Même si on sait qu'il faut récupérer l'objet, je vais dire une connerie, on va dire là, à Kezan, ou aller dans les îles perdues, la question c'est pas de se dire ouais, c'est facile, il a l'objet, c'est comment y aller à cet endroit-là. Aujourd'hui, dans World of Warcraft, il y a plein de zones, il y a des portails partout, la map est gigantesque, et c'est très 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 vite le bordel. On peut vous dire ouais, il faut aller à Dalaran, mais Dalaran de quelle époque? Parce qu'il y a des retours dans le temps, il y a des... Bon bref, c'est un peu compliqué. Donc vraiment, prenez votre temps, ne soyez pas pressés, baladez-vous, expérimentez le jeu, et apprenez petit à petit. Et c'est pas grave si au début... vous vous baladez avec des pièces d'équipement qui sont pas les plus optimales. C'est pas grave si au début, vous jouez un chasseur qui est spécialisé dans les armes au corps à corps. C'est pas... On s'en fout. C'est pas grave si vous passez du temps à pêcher. C'est pas grave si vous mettez beaucoup de temps à monter un niveau. C'est... Tranquille. Vraiment. C'est un vieux jeu qui a gardé cette mécanique vieille, on va dire, de le temps et la connaissance du jeu te rendent plus fort. C'est pas parce que tout de suite tu vas récupérer les meilleurs objets et tout de suite tu prends la classe top tier DPS que tu prendras du plaisir. Absolument pas. Et en plus de ça, c'est pas grâce à ça que tu seras le plus fort non plus. Absolument pas. Jouez ce que vous aimez. Arrêtez vraiment, ça c'est un conseil que je répète très souvent, mais arrêtez de regarder les tier list DPS, les tier list, les buffs, les nerfs, les... tous ces trucs comme ça. Wow, ça ne marche pas. Regardez le nombre de sorts qu'il y a. Regardez vraiment le nombre de sorts qu'il y a. Regardez ça. World of Warcraft, c'est blindé de sorts. Si vous mettez tous les sorts dans votre barre et on vous dit ouais, c'est le meilleur truc à faire parce que c'est le perso de fou, et que vous n'arrivez pas à le jouer parce que ça vous fait chier, et où vous n'êtes pas à l'aise, où vous aimez pas le gameplay, vous serez pas bon. Vous ne serez pas bon, forcément. Alors que si vous jouez une classe qui vous plaît, eh bien, vous serez forcément meilleur, parce que ça vous plaira à jouer, vous aimez bien le style de jeu, vous aimez le gameplay, vous, tout ce que vous voulez. J'ai oublié de vous parler de ça aussi, hein. Mais bon, ça, voilà. Donc vraiment, World of Warcraft, si je peux donner un seul conseil, vraiment un seul, prenez votre temps. C'est tout ce que je peux vous dire. Toutes ces informations, que ce soit les sorts, que ce soit les mécaniques de jeu, que ce soit les zones, que ce soit... Tous ces trucs-là, vous allez les apprendre petit à petit. Et à moins de vous foutre dans une machine à la Neo et en mode « je connais le Kung Fu », vous pouvez pas apprendre WoW en deux secondes, c'est pas possible. Il va falloir que vous regardiez des vidéos, il va falloir que vous regardiez des lives, il va falloir que vous regardiez, vous jouiez longtemps. Ça va être, voilà, c'est la force en vrai de ce jeu, et c'est aussi la faiblesse. Malheureusement, il n'y a pas de façon rapide de tout connaître sur ce jeu, à part d'en bouffer encore et encore et encore. Mais c'est ce qui fait son charme. Dans un sens, parce que même moi, après, ben, quasiment, on y arrive, là, aux 20 ans de jeu, eh ben, j'apprends des choses. J'ai appris, il n'y a pas longtemps, qu'on pouvait quitter un canal. Grâce à vous, d'ailleurs, dans le chat. J'ai appris que, voilà, on pouvait se barrer du canal, parce que, ben, il y avait des gens qui spammaient des informations, et ça me faisait trop chier. Comme quoi, voilà, j'ai beau montrer comment faire des raids en solo et tout le bordel, je sais pas comment quitter un canal. Donc, on peut pas tout savoir. Ouais. Donc, voilà. C'était pour la personne qui avait mis ce message, parce que ben, malheureusement je peux pas trop donner de conseils à part celui-là, et amusez-vous, kiffez le jeu, baladez-vous et tranquillou. Et si vous comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à demander. N'hésitez vraiment pas à demander. Alors, sur le canal général, bon, préparez-vous à ce que potentiellement il y ait des gens qui soient un peu... Des connards, oui, voilà, c'est ça que j'ai cherché. En mode, ouais, t'as qu'à regarder sur Google ou MDR, tu sais pas. Mais bon, c'est quand même pas non plus tout le temps. Mais après, par contre, oubliez vraiment hein, les classes, les trucs et tout. Parce que si vous allez dire, ouais, comment je fais pour jouer cette classe? Et il y a des gens qui vont dire, ouais, je joue pas cette classe, c'est la pire classe du jeu, c'est la merde, et c'est pris un nerf et tout. Ça, faut pas écouter. Faut vraiment pas écouter. Vraiment, vraiment, vraiment pas, quoi. Et après, par contre, bah, du coup, je ne pourrais pas vraiment trop expliquer ce que je fais exactement, à part, bah,
quand on va, comme là pour aujourd'hui, aller chercher des familiers rares. Mais sinon, dès que ça devient un petit peu plus complexe, bah voilà, posez la question. Posez la question tout simplement sur sous ces vidéos-là. Il y a des channels Discord qui existent. Pas forcément mon Discord, hein, je parle de Discord des chasseurs, Discord des guerriers, Discord de tout ce que vous voulez. Il y a des informations partout, 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 partout. Poser la question, c'est vraiment pas un problème. Voilà. C'est vraiment pas un problème. Du moment que, voilà, comme je dis, vous prenez votre temps. Bon alors, du coup, ici, dans cette zone qui nous appartenait à l'époque, hein, voilà, hein, avec l'ère de Tiris Fall qui maintenant appartient à ces... bref, de l'ordre. On a des rares qui m'intéressent. Donc les rares qui m'intéressent, normalement, c'est lui là-bas. Nocturne, si je dis pas de connery. Donc on va... attendez, que je regarde ma liste. Parce que j'en ai tellement, comme je vous ai dit, j'en ai marqué un paquet. Ah oui, il y a celui-ci aussi, mais c'est pas celui-là que je veux. C'est celui-là. Alors, attendez. Nocturne, c'est vraiment celui-là? Non, il y a Mash les eaux aussi que je veux. Et Nocturne, je crois. Mais Nocturne, il me semble qu'il perd son côté éthéré quand on le récupère. Donc ouais, on va revenir du coup sur les familiers. Là, c'était du blabla pendant qu'on était en vol. Mais les familiers que je veux récupérer, comme d'habitude, c'est des familiers rares, des familiers uniques, des familiers qui me plaisent énormément, mais surtout rares et uniques. On va pas se mentir. Avec des skins qu'on n'a quasiment jamais l'habitude de voir. Pour pas dire jamais. Et du coup, ben, on va aller se choper un petit familier qui est là-bas au fond. Mais malheureusement, il me semble que celui-ci, lorsqu'on le récupère, il perd son côté éthéré, son côté fantomatique. Moi, j'aime bien les monstres fantomatiques et éthérés, parce que ça fait très esprit des bêtes. Mais celui-là, je crois que... ouais, il me semble que c'est un peu la merde avec... avec ça. Bon, on s'en fout, on est sur le chemin. De toute façon, il y a celui-ci qu'on doit récupérer. Et on va voir ça. Si jamais c'est le cas, ben, c'est pas grave, hein, on le jettera comme les autres. Et s'il y est déjà, parce que c'est pas dit, hein, qu'il y soit. Même si en vrai, m'étonnerait qu'il y ait des gens qui se baladent dans cette version de la map. Voilà, on le voit, il est ici. Parce qu'il y a deux versions. Hein. J'en parlais tout à l'heure. Des soucis de comment ça s'appelle, de trouver son chemin d'en haut. Là, par exemple, cette zone. C'est la zone dans le passé, avant que Fossoyeuse soit récupérée, enfin récupérée dans un état, voilà. Mais récupérée par l'Alliance. Alors voyons Nocturne, effectivement... ah non, il garde son... ah mais non, il triche, parce que là il est en... attendez. Ah non, il garde son côté éthéré. Mais pas du tout, il garde son côté éthéré. Pas des masses. Mais si, si, si. Oh, il est beau. On le garde. Oh, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. C'est bon, ça. Ah, si, si, si. Ça me va, ça me va, ça me va. Après, je sais qu'il y en a beaucoup de cette couleur. Enfin, transparent comme ça, mais de différentes couleurs. Donc, peut-être qu'on en gardera un seul parmi tout ce bordel. On va voir. Muat, c'est un mort-vivant. Un squelette, je crois, juste. Si je dis pas de bêtises. Monsieur Muad. Muad. Ah non, c'est un... bon, ça, malheureusement, on peut pas les dompter. Les petits murlocs sont indomptables. C'est bien dommage. Peut-être un jour, hein. Si c'est le cas, il y en aura tellement. Merde ! Et ailleurs, on fournit des données précieuses à notre peuple. Un tel effort mérite récompense. Revenez à Mécagone. Que nous puissions dignement fêter vos performances. Oh putain, j'avais oublié, mais il y a l'armure héritage. Armure ancestrale des mécagnomes. Mais c'est génial. J'avais complètement zappé ça. J'avais complètement zappé de fou. Ah mais non mais c'est... ouais, il est là. Celui qui m'intéresse. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel en gros? On a des... comment ça s'appelle? Des armures qui sont données lorsqu'on monte un personnage de 0 à 50. D'une certaine race. Ben, on peut récupérer l'armure héritage de cette race en question. Donc... ça fait plaisir. Non, je veux te dompter. Voyons. Ouais, ça va, il est éthéré. Je prends. Mâche les os, on l'a récupéré. Donc attendez, il faut que je note moi tout ce bordel. Parce que je vous ai dit, j'en ai 50 et quelques là. 58. Donc il faut que je les note. Donc ça, c'est bon. Ça, il faut qu'on y aille après.
Ça non, ça ouais, il faut qu'on y aille aussi après. Oh putain, on en a tellement. What the fuck. Oui, mais ça je l'ai déjà marqué, je suis trop con. Je l'ai marqué deux fois, donc en fait celui-ci il compte pas. C'est celui-là, hein. Ouais, c'est celui-là qu'on a récupéré. C'est celui-ci qui me plaisait le plus. Donc on en a récupéré deux déjà. Ça c'est bon ça. Non 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 non. Donc du coup maintenant, il faudrait qu'on se casse. Cette musique quand même hein. Ouais. On se casse. J'ai mis tête de mort sur mon bref. Donc en voilà deux. Ça, ça fait plaisir, ça. On a des points à distribuer. On va distribuer des points, du coup. Les coups critiques, vos attaques spéciales en mêlée font saigner la cible. 7% des dégâts infligés en 6 secondes. En dot, c'est très très bon. Augmente les chances de coups critiques, c'est très très bon. Dégâts du familier, tous les jours. On a tellement de familiers. Il va falloir qu'on les pose, tant qu'à faire aussi, en passant. Parce que beaucoup de choses, hein. Chose à récupérer. Hop, bonjour. Salutations. Salutations. Mettons des familles à l'écurie. On a 20 pages, hein, ça c'est bien ça. Enfin, on mettra tous les esprits ici. Et là, on met tous les autres. Spectral. Rare. On les voit pas trop en spectral ces deux-là. Mais quand ils sortent, ils sont en spectral. Bon, on verra bien. De toute façon, on a de la place. C'est pas trop un problème. Et alors, du coup. Il faut que je rentre cette quête là. Qu'est-ce que c'est ça, ça? T'as des... Non, non, ça. Faut que j'aille où? Ah! Ah! Ouais, mais... Ouais. J'ai pas... Ouais, je... Ouais... C'est chiant ça. Il faut qu'on fasse le donjon. Il faut qu'on retourne au donjon de Mechagon. Oh. Putain. Ouais. Il va falloir qu'on y aille. Mais j'ai pas accès encore à ça. Bon. Enfin, j'ai pas accès. Si, mais j'y suis pas allé. Tant pis. Bon, ok, ok. Bah écoutez, on aura l'armure ancestrale plus tard. C'est pas très grave. Qu'est-ce que je voudrais faire maintenant? On va aller récupérer d'autres familles, hein, je rappelle. Petit épisode bonus. C'est vrai que ceux-ci, ils ont l'héroïsme. Ça, c'est cool, ça. Alors, on va prendre les TP. Et on va aller... Oui, Uldum. En Uldum. Enfin, à côté d'Uldum, évidemment. Alors, on va aller ici. Non, ici. Non, ici, oui. Et on va essayer de choper Acheronis. Où est-il ? Il est... Non, c'est pas lui. Quoi? Ah, parce que oui, c'est le... Ouais, ouais, faut aller voir Zidormi. Oh, putain. Putain. Il y a tellement de zones. Celle-là aussi, pareil, elle est bloquée dans le temps, cette zone-là. On peut revenir dans le passé. Enfin, bon, voilà, tout ça, comme je vous ai dit. Oui, avec la grosse épée bien bourrine, là, plantée. Pas facile de... Comment ça s'appelle? De se repérer quand on connaît pas bien. Et même quand on connaît, de toute façon, c'est pas facile. Donc, il faut que je le note aussi, celui-ci, là. Et je sais plus, on verra quand j'y serai.
Ensuite, il faudra qu'on aille dans les mille pointes. Il faudra qu'on aille à côté de Stratholme. J'aurais pu faire ça tant que j'étais là-bas, je suis trop con. Il faudra qu'on aille à Sombrivage. Qu'on aille aussi... Putain, Berceau de l'Hiver, j'aurais pu y être tant que j'étais là-bas. Bon, c'est pas grave, on se refera du voyage de toute façon. Il faut qu'on aille dans la zone de départ des Draenei aussi. On va aller voir Zidormi hein, pour changer la map. À côté de Durotar, il faut qu'on se balade aussi. Il faudra qu'on aille dans Durotar. Ça, c'est un autre problème, ça. Mais on verra bien. Donc, ouais. Je vais me noter. Attendez, je me note en même temps parce que sinon, je vais pas y arriver. Hein. Donc, je vais faire ça. Ensuite. Ça, je peux pas encore. Ah, si, je peux, je crois. Ça. Donc, ça, c'est bon. Ça. Ça. Ça aussi. Ah oui, oh putain, celui-là. 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 Oh, on en a plein. Oh, celui-là. What the fuck. Ah, celui-là aussi. Ah non, je peux pas, celui-là encore. Non, non, je suis trop con. Attendez, attendez, hein. Voilà, ça c'est non, 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 ça c'est non. Ça c'est... Oui, si, ça on peut. Ça non, ça non... Ça peut-être. Ça non. Ça c'est très compliqué, on le fera plus tard. Ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. Non plus, non plus, non plus, non plus, non plus. Non, non, ben non, je peux pas parce que ça il faut faire des quêtes. Ça faut faire aussi un truc de quête. Ça c'est un truc qui pop avec une quête spéciale à un endroit précis avec un mob qui est temporaire. Bref, bon voilà. Ça on peut. Ça non. Ça non. Et ça non. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 à les récupérer. Voilà. Sachant qu'on a déjà récupéré 2. Pas mal. Pas mal, pas mal. Un bon planning. Un très bon planage. Bonjour, Zidormi. Ouais, très content de te voir aussi. Quoi? Ah, j'ai rien dit. C'est pas moi. Alors, on est revenu dans l'ancien. Attends, où est Akronis? Il est par là, en bas, je crois, non? De souvenir. Où es-tu, Akronis? Non? Pas du tout? Il a? Là? Non? Non? Non, il est trop beau Akronis. Akronis, c'est vraiment un familier que j'ai jamais récupéré. Alors que je l'ai souvent vu. Et il est sublime. Bordel de cul. Où es-tu? Ah, bah. Où es-tu? Il est vraiment juste à côté. Putain, vraiment quoi? Attendez, il est pas juste là. Ouais, voilà, faut passer par le. Par ici. Par le tunnel des ténèbres. Bonjour. Ah oui, alors attendez, il y a un petit problème de type familier. Il s'agirait de décéder. Hop, hop, hop. Il a trop cru, lui. Il pouvait partir. Mort de rire. Bon. Yarr. Donc, au fond de ce dungeon, il peut y avoir un mob très 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 beau qui est un ver de mana. Qui est trop stylé qu'on peut dompter. J'ai plus trop... Ah, il est là-bas. Oh, il est. Regardez-moi comme il est beau. Regardez-moi ça comme il est beau. C'est lui là-bas. Akronis. Trop stylé. Matou. C'est vrai qu'on augmente la réputation auprès du cercle scénarien. Allez mes familiers, mangez-les. Oh, y a Gib, le petit singe. Trop bien ce sort. Enfin cette glyphe. Ce glyphe. J'ai plus l'âge hein, pour réfléchir, vous savez.
terminé. Hein. Je vous rappelle que voilà, hein, maintenant moi ça y est, hein, j'ai des lunettes et tout. D'ailleurs, ça y est, j'ai passé mon examen et je suis totalement myope. Hein, voilà, myope comme une top. Donc là, la spécialiste m'a dit vous avez peut-être un peu de mal, non, à voir de nuit quand vous conduisez au loin. Je dis un peu, ouais. Elle me dit ouais, ça m'étonne pas. Faut arrêter ça, hein. Faut pas conduire de nuit, hein. Tant que vous avez pas votre paire de lunettes, vous arrêtez, hein. D'accord, madame. Je suis presque fait engueuler. En même temps, ils ont raison. C'est vrai que c'est des choses, faut faire gaffe quand même. Bon, Acronis, tu es à moi. Qu'est-ce qu'il est beau, ce familier. Je suis trop content de l'avoir. Regardez-moi ça. Regardez les couleurs qu'il a. Toute beauté, hein. Un peu spectral, là. Tout violet. Trop. Magnifique. Vraiment une pépite, ce familier. Une vraie pépite. Une pépito. Bon, du coup, où est-il? Dans ma liste de cons que j'ai là. C'est des démarches, hein. Mais on y arrive. Donc ensuite, réfléchissons. Tant qu'on est par là. Tant qu'on est à côté des moches, là. Enfin, de l'ordre, quoi. Faut que j'aille par là. Ouais, faut que j'aille par là, parce que je dois récupérer... Où est-il? Où est-il? Merde, c'est qui? C'est quelque part, c'est quelqu'un de ça, là. Attendez. Non? Quoi? Mais non, c'est là, oui. C'est là ou c'est là? Non, c'est pas là, c'est là. C'est là, hein. Il y est plus? C'est lui, je crois. Attendez. Merde. On va aller voir. Après, il y a des trucs, des fois, c'est pas des rares. Mais c'est juste que c'est des skins uniques. Il faut que je me souvienne. Parce que j'ai fait la liste de tout ce bordel, mais bon, voilà quoi. Après, il faut arriver à s'en souvenir. Par où on sort? Vous savez, hein, les labyrinthes. Mon Némésis. Ma Némésis, d'ailleurs. Parce que c'est une femme, Némésis, dans la religion... enfin, pas dans la religion, putain, je vais y arriver. Dans la mythologie. Désolé, hein. On en a parlé, hein. Pour moi, bon, religion, mythologie... Bref. Mais voilà. Comme d'habitude, chacun croit ce qu'il veut. Zéro souci avec ça. Mais je confonds un peu tous les trucs. Oh, trop bien. Locknacht, je sais plus comment elle s'appelle. Celle-là. Ça fait trop plaisir de voir tes petits familiers que t'as été récupéré sortir là comme ça. Oui, je suis trop content. Oui, je suis un gamin, je m'en fous. Voilà, Goldor s'amuse avec pas grand chose. Je suis trop content avec ça. Donc lui, c'est un... Ah oui, appel du maître, ok. Il a pas ça, hein. Non, il a pas, hein, parce que c'est pas un familier exotique. Non. Il a sérilité... Célérité. Sérilité, j'ai dit. Ouh. Ah ouais, quand même, hein. Il a sérilité. Bon, il est trop beau. Ça, en plus, il va trop bien avec ma tenue, là. Celui-là, on va le garder, je pense. On verra. On verra, on verra. Bon, ceci étant fait, Acronis, ça dégage. Donc, du coup, maintenant, on va aller dans les Tarides du Sud. Et je vais vérifier cette histoire, là. Vérifier ça, là. Oh, ce bordel, là. Attendez, je viens de recevoir un truc là. Peut pas me laisser tranquille, chasser mes familles des pépères. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Paf, 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 paf. Tip tap doop tap tap tadap tu dap tu dap tu dap tu tap tu dadap. Ouais, c'est bon. Ok, non mais c'est bon. Is ok. Ok, let's go. Alors ici, il faut qu'on aille là-bas, tant que j'y pense aussi. Ça, c'est un autre truc, ça. Alors ça, c'est pas un rare, mesdames et messieurs, mais on va récupérer un familier qui, à l'époque, était buggé dans un certain raid, qui maintenant ne l'est plus, malheureusement, mais qui est trop stylé. Qui est vraiment trop stylette. Ça, c'est vraiment pas un familier rare pour le coup.
mais je vais vous expliquer tout ça. En gros, à l'époque, quand on allait faire le raid d'Ankiraj, temple d'Ankiraj, ruine, temple, je sais plus, un des deux, je sais plus, voyons, guide l'aventurier, c'était les ruines d'Ankiraj. Donc notre cher ici, Buru Grand Gosier, est un silithide dégueulasse. Jusque là, tout le monde est d'accord. Mais, quand on lui faisait assez de dégâts, il se trouve que il avait ça là, la carapace au-dessus de sa tête qui explosait et on voyait son gros cerveau tout mou. Si on le domptait à ce moment-là, au moment où il avait plus cette carapace sur la tête, on le gardait, en fait, avec ce skin. Avec le skin donc du cerveau à l'air. Ok, d'accord, c'est pas très... Voilà. Voilà, je sais, oui, mais c'était un truc unique. Malheureusement, maintenant, ça n'est plus possible. C'est-à-dire que quand on le récupère, même quand il a le cerveau qui est éclaté, là, enfin, la carapace qui est éclatée où on voit son cerveau, il reprend cette forme-là avec, donc, la carapace qui n'a pas le cerveau éclaté. Donc, c'est un peu chiant. Mais, vous me connaissez, j'ai un petit peu fouiné. Et il y a un endroit où, en fait, il y a des silithides avec... le cerveau à l'air, qu'on va aller récupérer. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est un skin par exemple de Faminier, qui est quasiment jamais joué. Alors, je pense que parce que c'est un petit peu un goût un peu spécial. Mais, j'ai envie de le récupérer parce qu'on sait jamais avec WoW, vous savez. Hein, si à un moment donné, ils décident d'enlever des skins de monstres, comme ça a déjà été fait de très nombreuses fois. Je suis dégoûté, notamment pour un skin d'un rare, qui avait à l'époque de... comment ça s'appelle ? De Lich King, du Roi Lich, qui n'est plus disponible maintenant, malheureusement. C'était vraiment trop chiant. C'est un rare qui est un loup-garou, qui était trop stylé. Bref. Et ensuite, il y avait un autre truc avec des humains qui se transformaient en loup-garou. Enfin, des loup-garous qui se transformaient en humains, pardon. Et on pouvait les récupérer. Ah, attends, mais je suis pas au bon endroit, là. Mais non, c'est trop loin. C'est par là-bas en bas. C'est de l'autre côté, en fait. Est-ce qu'ils sont toujours là? Ah, ça va être là-dedans, dans cette grotte, je pense. En fait, il y avait... Je vais terminer l'explication, parce que c'est pas clair, sinon. En fait, il y avait, à un moment donné, une quête dans... comment ça s'appelle? Je crois que c'était d'ailleurs... dans les Grisonnes, ou quelque chose comme ça. En fait, il y avait des loups. Quand tu tapais les loups, au bout d'un moment, ils se transformaient, à un certain pourcentage de points de vie, en loups-garous. Et en fait... C'était trop stylé parce qu'ils étaient debout avec des grosses griffes et tout ça. En fait, ils étaient domptables parce qu'à la base, c'était un modèle de loup, tout simplement. Alors que du coup, ça se transformait en quelque chose qui n'était pas du tout un loup. Ils ont corrigé ça, donc maintenant ça n'est plus possible, mais ils avaient fait en sorte que les gens qui l'avaient récupéré à l'époque le gardent. Et ça, du coup, je suis trop dégoûté parce que, bah, du coup, nous, on l'a plus. Mais attendez, mais c'est pas là! C'est pas là! Ça, c'est Jules Farak, ça. Qu'est-ce que j'ai... Quoi? Mais... Oh! Attendez. C'est un peu plus haut? Je sais plus. Moi, je suis vieux. Mais j'ai noté qu'il était... Oh, merde. Qu'est-ce que j'ai branlé? Je me suis trompé? Normalement, c'est par là-bas, en bas. Hein. Ou alors, il faut passer sous l'eau? Possible, ça. Et donc du coup, ouais, ça n'est plus possible de l'avoir, malheureusement, c'est un skin unique qui était trop beau. Ouais, c'est sous l'eau. Et je suis trop dégoûté parce que c'est un skin que j'aurais aimé avoir, se balader avec un comment ça s'appelle, un loup-garou en tant que familier. On va pas se mentir, ça pète la classe quand même. Ça pète la classe, mesdames et messieurs. Donc voilà, c'est pour ça que là, je vais essayer de récupérer tout ce qui est possible de récupérer avant que ça ne soit plus possible. Pour ne pas être deg. Donc dans cette grotte au fond de l'eau, sous l'océan, on devrait, je sais pas pourquoi je l'ai tapé lui, avoir des des silithides à la carapace éclatée au sol. J'en vois pas du tout. On est bien au bon endroit? Oui. Il me semble que c'était là, hein. Je vérifierai si jamais c'est pas le cas, mais normalement c'est là. Je pense pas que ce soit un rare. Ah, peut-être un rare en fait.
Ah non, il est là-bas, c'est bon, je le vois. C'est le contrôleur de la ruche. C'est bon, he's ok. Donc ouais, on va le chercher loin celui-là. Hein. J'ai vu d'ailleurs que Sandra avait posté sur son Discord la vidéo où je me suis amusé à récupérer tous les familiers. Merci à Sandra, de toute façon, voilà, trop gentil. Sandra et Steph, des amours sur Terre. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs leur Discord, hein, c'est Lilwo, c'est épinglé dans les Discords à suivre, sur dans mon Discord, j'ai une catégorie de Discord à suivre. Voilà, elle est là. À moi, viens ici toi. À moi. Et du coup, ouais, ça, c'est vrai que c'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça, mais à montrer aux gens un petit peu où on peut récupérer. Les familles, let's go. Regardez-moi ça comme il est beau. Ouais, non, certains vont dire absolument pas. Mais c'est un skin unique. On ne peut pas l'avoir ailleurs, mesdames et messieurs. Donc voilà. On a récupéré le contrôleur de la ruche, qui a son cerveau éclaté. Et que je suis très content d'avoir récupéré, parce qu'on sait jamais, hein, peut-être qu'un jour, ben, en fait, il ne sera plus du tout possible de l'avoir. Avant, ben, vous voyez, ce skin-là, c'était vraiment le boss. Hein. Si on regarde le boss à côté, regardez. C'était lui. C'était lui qu'on domptait quand on lui faisait assez de dégâts. Il gardait cette apparence-là. Mais maintenant, c'est fini. Même s'il a cette apparence-là et qu'on le dompte, le boss-là, eh bien, il redevient comme ça, une fois dompté. Là, au moins, on l'aura pour toujours, celui-là, et je suis très content. Ça fait plaisir. On va éviter de se noyer, quand même. Hein, voilà. évitons, mesdames et messieurs. Ah, il y en a qui n'ont, voilà, qui n'ont pas fait attention à ça. Et qui sont décédés. Bon, ça, c'est fait. Très content. Maintenant qu'on est là, on va aller récupérer un autre familier qui est pas loin du tout, qui est pareil, dans le même principe, qui est un truc rare, mais pas unique de dingue, c'est juste que... Il me semble si quand même c'est un rare, hein. C'est un rare, hein. C'est pas lui, là. Je sais plus. Normalement, il est par là, là. Ou alors... C'est pas ça, hein. C'est pas Gronde de Terre. Gronde de Terre, c'est un caillou, normalement. Un gros caillou. Pas de pierre, on s'en fout, normalement. Plaie des taurennes, on s'en fout aussi. Azer, la lame céleste, non plus. C'est un... Comment ça s'appelle, un petit cochon. Un cochon guerrier, là. Je sais plus comment il s'appelle. Les Uran. Je crois que c'est un Uran, ça. Flamme moqueuse. Dans tout ça, on s'en fout. Peau piquante. Non, mais c'est là, hein. C'est par là, hein. Mais de souvenir, c'est pas un rare. Vous allez voir. Je vous garde la surprise, je vous dis pas, évidemment. Évidemment. je vous dis pas. Ouais, on va voir ça. J'espère que c'est pas... Attendez. Que c'est pas un truc avec une quête, hein. Normalement non. Normalement j'ai noté, hein, quand c'était des trucs avec des quêtes un petit peu compliquées. Toujours pareil, comme je dis, il y a tellement d'informations dans ce jeu, il y a tellement de choses cachées. Ce truc qu'on vient de récupérer, ce familier là, sans déconner, je pense qu'il y a 99,9% des chasseurs qui ne connaissent même pas l'existence de ce familier. Alors, c'est quelque part par là, je crois. Attendez. On va se balader un petit peu, hein. Je suis désolé, comme mes souvenirs ne sont pas très exacts et que les informations ne sont pas tout le temps les plus précises, il faut que je me balade un peu pour vérifier l'exactitude de ces informations. Y a pas le rare là ? Il se balade un peu. Mais c'est, ouais, c'est des Uran tout ça. Tout ça, on s'en fout. C'est pas ce que je cherche, moi. Je ne cherche pas des Uran. Je cherche un skin de familier unique. Très spécifique. Celui-ci, par contre, il est connu, hein, pour le coup. Ah, mais là, Gonter, non, c'est pas toi? Non. D'ailleurs, sachez, mesdames et messieurs, que... Bah, ici, je crois, hein. Ah, mais là, Gonter. Que ici, il y a une quête qui permet de faire apparaître un lion blanc qui est possible de faire apparaître seulement côté Horde et qui est un des deux seuls skins uniques de lion blanc qui existent dans le jeu. Mais on en reparlera, ça. Parce qu'on ira chercher le lion blanc en question, qui est un rare dans une autre zone. Mais vous verrez ça.
hop, un petit rare de mort. Il est trop marrant lui avec sa tête à l'air là. On va le ranger. Hop, dans la Pokéball. Boop. Donc ça n'est pas ça. C'est pas le moissonneur Silithid. Voilà, la zone de baston. Très jolie d'ailleurs ces quêtes ici. Très triste, hein, évidemment, mais très sympa. Non, c'est un peu plus haut de toute façon, je crois. Hein. Il me semble. Hein. On va jeter un œil tant qu'à faire par là, mais. Ça n'est pas du tout un truc. Comme je pensais. Ça n'est pas du tout un Uran. Qu'est-ce qu'on appelle ? On va appeler Arcturus. Bon là on le tue juste par principe, hein. Ça fait une petite chasse au rare. Mais c'est pas le but. C'est juste que ça fait de l'XP. Bon, c'est par là de toute façon il me semble. On va voir. Ah! Je l'ai trouvé! Donc, ce que je cherchais, c'était lui, l'ancien Zevra, qui n'est pas un familier de fou furieux unique, mais qui est un zèbre licorne. Voilà. Un lisèbre. Donc, je le voulais et. Le voici, l'ancien Zevra. Donc, hop! Petit bonhomme en plus. Qui nous appartient? Il est trop stylé. Regardez-moi ça. Une petite barbichette et tout. Il est vénère, hein. Il a mangé des cailloux le matin, mais. Donc, ancien Zevra. Ça, ça fait plaisir. Et il me semble qu'il y en a d'autres qui peuvent tourner dans les parages. Mais il faut chercher, il faut fouiner. Voilà, oui, regardez, il y en a là. Il y en a là. Donc c'est juste un mob qui n'est disponible que ici, hein, je vous le dis au cas où, mais il y a l'ancien Zevra, il est que là. Celui-là, là. Il est que dans cette zone. Donc vous baladez un petit peu et vous allez le trouver, hein, je vous remontre ici. C'est à côté de Azer, la lame céleste. D'ailleurs, c'est un orc, lui, non? Non? C'est pas un orc? Un orc! Ah non, ça doit être ça, là. Ouais, c'est lui. C'est un truc qui vole, pas du tout. Comme quoi mes souvenirs, hein, ils sont vieux. Et bien impeccable. Un rare de plus. Alors réfléchissons, on va éviter de faire des allers-retours comme un con. Et ben il va falloir que. Ah non, faut qu'on aille là-bas. Oh ça va faire loin, non? À moins que je me téléporte, je prends le truc pour aller à Ijal. Ouais, on va faire ça. La pierre de TP et hop, yes. On va prendre un raccourci. Et comme ça, on va déposer les familiers à l'écurie. Parce qu'on en a beaucoup à récupérer, là. Encore. Trop content. La chasse se passe extrêmement bien. Pam, param. La femme qui est là, là, qui s'occupe de la garderie, entre guillemets, du gardiennage, bref, de la garde. Wow, on va éviter d'utiliser plein de mots qui veulent rien dire. De tous ses familiers, elle doit être en mode, vous avez fini? Non, jamais. Toujours pas. Allez hop, on va poser ça, on va poser ça. Arcturus, il est vraiment trop beau. Je vais le garder avec moi. Je pense qu'on va le garder. On va le mettre là. Il est juste trop beau. Magnifique, trop beau. Avec qui je le prendrai? Un truc un peu violet? Bah ça. Voilà. Du coup, tada! Yes! Bon, il y en aura un autre un peu plus violet que celui-ci, mais pour l'instant, on va garder ça comme famille. Renvoyer. Yep. Donc, on a dit côté Ijal. Et là, on en a. Ouais, on en a un.
2, 3. Oh, celui-là il est beau en plus, hein, je vous en ai parlé juste avant. 3 récupérés sur la zone. Donc il jale. Hop, c'est ici. Let's go. Bon, alors là c'est toujours un peu le problème parce qu'il y a 50 000. 50 000 trucs. Il est par là ce petit bitir. Là. Non. Quoi? Attendez. Là! Mais je sais pas si. Ah, celui-là est magnifique. Hein. On va essayer de le récupérer. Donc là, déjà, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que dans cette zone, il y a des familiers que je voudrais récupérer. Et qu'on va récupérer d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte comme merde? Il y en a un qu'on peut choper là! Mais oui, je l'ai marqué là en plus. Il y en a un qu'on va récupérer qui est par là-bas. Là. On va récupérer Théropène. Un skin de tortue unique. Alors, une skin, normalement dit, je sais. Voilà, m'en voulait pas trop. Et là, on récupérera cela plus tard. Vous voyez, Anka Magria, c'est deux tigres spectraux. Et Bantalos, un piaf, un petit oiseau spectral, qu'on peut récupérer. Trois familiers sublimes, vraiment sublimes de fou. Mais ils seront disponibles seulement quand on aura fait les quêtes de la zone. Donc on reviendra plus tard quand on aura fait les quêtes. Là on va récupérer une tortue de feu, trop trop belle, avec une petite cheminée sur la tête et tout là. Enfin au niveau du museau, je sais pas. C'est un museau ou un bec qu'on dit pour les tortues? Parce qu'ils ont un petit... comme un genre de bec devant. Je sais, ou gueule. Je sais pas comment on... Non, c'est pas lui. Je sais pas comment on nomme le truc des tortues. Je ne sais pas. Pas par là. Ah, là. Putain, mais cette collection, mesdames et messieurs, n'arrête pas de s'agrandir. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Regardez-moi ça, comme elle me défonce ma gueule. Regardez-moi ça, comme elle m'a tué. On va le refaire. Quoi, ça? Comment, comment? Come on, come on. Haine ardente. Mm-hmm. Un peu énervé le petit bonhomme, j'ai envie de dire. On va le refaire. T'es où? T'es là-bas. On va se soigner. Est-ce que je me... C'est vrai que l'héritage ne fonctionne plus maintenant. On est level 49. Comment je pourrais faire? Ah, je fais ça. Ah, oh, je sais. Je vais faire une feindre la mort. Pour réduire les dégâts que je subis de 90%. Et ensuite je le dompte. Attendez. Ah putain, il manque pas grand chose. Marche pas. J'ai pris 439 et après... Ah ouais, j'ai pas fait assez vite. J'ai pas été assez rapide, j'étais vieux. Vieux. On va y arriver hein. Il va falloir qu'on utilise un petit peu des stratagèmes. Je vais peut-être mettre mon... Réduire les dégâts subis de 30%. Mais on ne peut pas attaquer. Est-ce que je peux dompter pendant que je fais ça? On verra bien de toute façon si c'est possible ou pas. Détourner l'attention des ennemis. Peut-être on fera ça. Mais non, mais il me semble peut-être qu'aspect de la tortue... Là, pendant 3 secondes après avoir fait ça, ça me réduit les dégâts. Après, il m'est cher ce petit BTR. Au pire, je vais créer une macro, hein. Si c'est emmerdant. Je me souvenais pas qu'il était aussi costaud lui. Voyons. Non, je prends quand même tarif hein. Il va me tuer. Ah, il manquait tellement rien. Ok. What the fuck. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, le problème c'est qu'on prend des pénalités. Vérifions. L'efficacité de la résistance au feu est multipliée par 4 contre cette attaque. Il faut des trucs de résistance au feu. Ah, il faudrait venir avec... Non, mais on va la voir différemment. Je pense que je vais faire feindre la mort. Je vais créer une macro. Non, même pas. Je crois que j'ai pas besoin. Je vais juste faire ça. Hein. Vous allez voir. En fait, je vais faire tac tac. Et là, pendant 3 secondes, du coup, j'ai une réduction des dégâts grâce à la. Ça là. Réduit les dégâts subis de 90% pendant 3 secondes. On va se soigner quand même.
Voilà, c'est trop simple, putain, je suis trop fort. Ok, nickel. Bon, et petit bâtard, tu m'as fait chier, hein. Voilà, voici Terropène, mesdames et messieurs. Petit Terropène, trop beau, trop stylé. Skin unique, d'un rare, donc. Avec une tortue, vraiment, qui pète la giga classe. Bon, ça, c'est fait. Emmerdé, mais c'est fait. D'ailleurs, je vais te renvoyer. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas trop... Parce que j'étais un peu vite au cas où, mais... suivi, j'ai récupéré... Le sort de... c'est où? Là, dans outils pour familier, vous pouvez prendre apprivoiser une bête. Je l'ai mis juste à côté de feindre la mort. J'ai cliqué sur le mob, j'ai fait clic-clic sur ça et sur ça. Et du coup, ça m'a permis de le récupérer tranquillement. N'oubliez pas par contre que ça fonctionne que si vous avez pris le talent tactique de survie qui réduit les dégâts subis de 90% pendant 3 secondes. Voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant, je vais aller récupérer, on a dit, celui-là. Non, pas celui-là, mais c'était par là-bas. Non, ça. Là, voilà. Holm la Sage. Holm the Wise. Donc, je vais rayer ça. Terropène, c'est bon, on l'a eu. Impeccable. Hey, ça avance bien. Je commence à rayer plein de trucs, là, sur la liste. C'est cool. Toujours pareil, vous voyez, ce genre de mode. Avant que Terropène ne soit disponible, mesdames et messieurs, on pouvait dompter Némésis. Mais Némésis maintenant est indomptable. Regardez. Non mais, oui, pas d'accord. Hop, la créature est indomptable. Donc on ne peut plus choper celle-ci en mode tranquillou. C'est pour ça que, comme je vous dis, se dépêcher de récupérer des fois des familiers, ça peut être intéressant. Alors se dépêcher, oui, non, mais... pour éviter d'éventuelles suppressions dans le futur des trucs. Blizzard aime beaucoup faire ça, à mon très grand regret. Supprimer des choses du jeu, ça me rend complètement barge, mais c'est comme ça, pas le choix. Donc bon, ben, pour éviter d'éventuelles déceptions, eh ben, on les récupère avant. Donc voilà, après ici, je vous montre, normalement en haut là, en volant là par là, il y a une chouette trop stylée qui est invisible, enfin qui est éthérée, fantomatique, qu'on peut récupérer. Mais ce ne sera possible que lorsqu'on aura fait la zone. Et là, vous voyez Tortola. On ira chercher une tortue dans ce genre-là. Bah, cette tortue, en fait. Totalement cette tortue. Mais dans un donjon. Parce que celle-là, on peut pas la capturer. Ce sera un boss de donjon. On ira... À un moment donné, on ira là-bas. Mais c'est pas pour la liste d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a d'autres à focus. Là, on va en récupérer une qui est vraiment magnifique. Hein. J'espère qu'elle sera là. Holm la Sage, parce qu'elle est vraiment, 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 vraiment belle. Vraiment belle. Porom, porom, porom. Et après, on ira à Sombrivage, ici. On aura des trucs à récupérer par là-bas en haut. Et on aura... C'est où ça? Ok, ça doit pas être la bonne zone. Comme d'habitude, il faudra voir Chromie, tout ça pour changer sûrement la zone. Parce que c'est pas la bonne, je crois. On va voir ça. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Je crois. Non, j'ai de la merde. Si, si, voilà, on a juste un seul à aller récupérer qui est là-bas en haut. Qui est par là. Ils sont là. Quelque part dans la zone, on fouillera un petit peu, je me rappelle plus trop exactement, mais c'est par là-bas. Ouais, j'ai préparé la liste en fait des... c'est pas ultra précis, ça n'est pas un guide. J'ai préparé la liste des familiers que je voulais récupérer, mais il y en a beaucoup, je le fais de tête, je sais qu'ils sont à peu près dans telle ou telle zone. Alors, où es-tu, ma petite... Oh, non. Oh! Ah non, mais c'est pas du tout... Si, 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 c'est celle-là. Elle est trop belle, putain. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Viens là. Donc c'est une chouette. Là, on voit pas trop, mais elle est éthérée. Là, avec les couleurs dégueulasses, on le voit pas des masses, mais elle est transparente. Attendez. Regardez. On le voit bien quand elle est par-dessus moi. On voit à travers. Donc c'est une chouette trop jolie, transparente. La petite Holm. Très content de la voir, celle-là. Vraiment une mascotte que j'aime beaucoup. J'appelle ça des mascottes, mais des familiers, comme vous voulez. Elle était où? Elle était là.
parfait. Putain, mais on est en train de speedrun un truc de fou. Trop bien. Donc maintenant, direction ici. On va récupérer des, cette fois-ci un tigre spectral qui n'est pas un rare. Ouais. Dans la zone où on va aller, il y a plein de tigres qui sont spectraux et qui ne sont pas rares. Juste, ils traînent dans les environs. Ils chill. Ils chillax un max. On va enlever le marqueur. J'aime pas quand il y a des trucs qui brillent sur ma map, ça m'énerve. Goltor et on est dans la bonne version là? Non, c'est la version où l'arbre il a brûlé. Non, c'est pas la version où l'arbre il a brûlé, donc on est dans la bonne version. On n'a pas besoin d'aller voir Chromie. De toute façon, je la vois pas Chromie là. Ah, parce qu'on n'a pas fait les quêtes encore, donc normal. Où sont-ils? Ils sont par là-bas, je crois, hein. Par là ou par là? Qui est ce par là? Très bonne question. Oui, ça n'est pas... Ah, si! Attends, l'arbre, il a pas cramé. Non, il a pas cramé. C'est la bonne version, ça? J'ai un doute. On va vite le voir, de toute façon. On va vite le voir. Ouais, je crois que c'est là. Ah... J'ai un doute. Si, c'est les bons. Oui, il y a l'arbre. Il y a la tempête. Ouais, ouais, c'est le cataclysme du truc. Normalement, on est bon. Hein. Alors, pourquoi je ne vois pas de tigre spectral dans les environs? Me serais-je trompé? Est-ce que c'est un peu plus bas? Peut-être? De mémoire, il me semblait que c'était vers le nord. Vous savez ce qu'on dit pourtant, jamais au nord, mais quand même. Peut-être un peu plus bas, effectivement, on va voir. Hein. Non. Peut-être par là. Ça c'est con ça. Ça c'est con, Goldor, de pas avoir noté exactement les choses et de vouloir tout faire de tête. Parce qu'après on se retrouve dans ce genre de situation. Attends, c'est pas du tout là et c'est au sud? Non, c'est par là, hein. Au nord, hein. Écoutez, on va se balader dans la zone. Je finirai bien par les trouver, ces petits cons. Et au pire, si je vois que c'est compliqué, je laisserai de côté, j'irai chercher un peu plus d'infos et on reviendra le chercher plus tard. Si jamais je le trouve pas par là, là. À moins que ce soit la nouvelle version. Ah. Peut-être que c'est dans la nouvelle version de Sombrivage. Parce que justement, je parlais du fait que ce soit l'ancienne, mais peut-être que ça n'est pas l'ancienne version dans laquelle il y a les trucs. Peut-être qu'il faut aller dans la version où où il y a eu le barbecue géant. Alors on a des esprits, mais c'est pas ce que je recherche. C'est l'idée, mais avec des tigres. Non, je suis quasiment persuadé que c'était au nord. Vraiment. On va descendre par là. Et par là. Je sais pas, j'ai un doute là. J'ai un truc qui me... Par ici là. Je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose, ce truc au sud. Après, le truc au sud, normalement, c'est des quêtes. Hein. Il me semble qu'il y a juste des quêtes par là-bas qui sont un peu planquées. Fallait bien qu'on ralentisse, hein, à un moment donné. Hein. On était trop bien, là. On allait trop vite. C'était pas normal.
On va aller voir par là-bas au cas où. Peut-être que juste ma mémoire me joue des tours. Ah 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 ah. Alors ça c'est des tigres. Mais ça n'est pas ce que je recherche. Je veux des spectros. Des esprits. Des invisibles. Des morts. Non, ça n'a pas l'air d'être là. Je me souviens des quêtes par là en plus. Trop marrantes. Trop marrantes parce que il y avait beaucoup de voleurs qui se baladaient ici. C'était une zone que beaucoup de gens aimaient faire parce que ça donnait beaucoup d'expérience. Il y a vraiment beaucoup de quêtes dans une petite zone. La zone n'est pas très grande, hein, vous voyez, c'est très, très serré. Et donc beaucoup de petits coquinous pour pas donner d'autres défis. Ouais, ouais, bref, quoi. D'autres qualificatifs. S'amuser à nous arracher le fion, voilà, tout simplement. En voleur. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux en plus, notamment ceux-là. Mais il y en a des invisibles qui se baladent. Et t'entendais des... Et dans le tas, des fois, c'était des voleurs. Ça n'était pas, ça n'était pas les mobs. Et là, ben, rip. Hein. Non, ça n'est pas là. Il y a des tigres. Mais c'est pas cela que je cherche. Donc c'est peut-être la nouvelle version. Ouais. C'est peut-être la nouvelle version de... C'est toi le rare, oui. On va le tuer. C'est pas grave. C'est pas grave. Encore level up. Allez. Mais dis donc. Ça donne de l'XP la chasse aux rares. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah toujours pareil, hein. 15% de chance d'invoquer une bête qui attaque la cible. Juste trop fort. En plus on aura donc masse familiers qui vont arriver. Bon, tant pis. Vous savez quoi? Je laisse de côté. Et on verra plus tard. Cependant, on va aller par là-bas. En plus, on est à côté de l'île Darnassus. Il faut que j'aille. Faut que j'aille là, moi. Faut que j'aille à l'île de Brumesang. Donc on ira. Attendez, est-ce qu'on y va pas maintenant? Non, c'est chiant. On ira après. Parce qu'il vaudrait mieux que je prenne un portail pour y aller. On retournera à Hurlevent pour aller. Bon, tant pis, c'est pas grave. En tout cas. Tant pis, on va aller chercher un autre familier qui est magnifique. Voilà, il est là. Sian Rotam. Je vous avais parlé d'un lion albinos. Trop beau. Et il y a donc du coup deux façons de l'avoir. Première façon, faire apparaître, grâce à une quête de la horde, là où on était tout à l'heure, là, donc le mob en question, pour pouvoir le dompter. Ou alors, aller tout simplement... le chercher là-bas, mais c'est un mob qui est tellement tué et dompté quand il y a les chasseurs, mais surtout tué, que peu de gens l'ont. Pourquoi il est tout le temps tué? Parce que c'est très simple, en fait, ici, là, il y a une quête journalière à faire pour récupérer une monture sabre de givre, justement. On l'a en bébé, à la base. Et petit à petit, on ramène des objets, on ramène du tissu notamment, enfin ben, plein de conneries. Et au bout d'un moment, boop, vous avez la monture. Je sais plus combien de temps il faut. Je sais plus si c'est 15 jours, 30 jours, je sais plus exactement. Et donc, il y a plein de gens qui traînent dans les environs, et du coup, qui le voient, et du coup, qui le butent, tout simplement. Voilà la raison pour laquelle... Non, c'est dans une grotte. Ouais, parce qu'on peut rentrer dans le truc. Voilà la raison pour laquelle, malheureusement, ce familier est difficile à obtenir. Juste à cause de ça. Et c'est vrai que c'est un peu chiant, pour le coup. Mais, il y a quand même de très fortes chances qu'il y soit. Parce que toujours pareil, on est phasé. Tant qu'on n'est pas arrivé level 60, tout est bon. Enfin, 58, pardon. Tant qu'on n'est pas passé level 58, c'est bon. Après, niveau 58, ce sera un peu plus chiant. Pourquoi? Parce qu'on perdra la synchronisation des lignes temporelles avec Chromie et on aura la quête donc du coup de la dernière extension qui va se lancer. Et à ce moment-là, il va falloir qu'on aille sur l'île aux dragons, l'île des dragons, pour pouvoir donc continuer à XP. Mais surtout, mesdames et messieurs, rappelez-vous pourquoi on veut aller faire ça. On veut récupérer
notre fameux griffon spectral. Le griffon spectral qu'on ne pourra plus avoir sinon si jamais on monte level maximum. Donc, dans pas très longtemps déjà, hein, on sera obligé d'y retourner. C'est pas très grave, hein, parce que dès qu'on l'aura, après on fera un petit peu ce qu'on veut, on pourra revenir en arrière si on a envie de s'amuser pour finir les quêtes. Mais on gagnera quasiment plus d'expérience, vu que ben, on sera dans les derniers niveaux du jeu. Donc si on tue des ennemis qui sont level 20, alors que nous on est 58, je peux vous assurer qu'ils vous donnent 3 points d'XP, quoi. Ce sera vraiment, vraiment naze. Qu'est-ce que c'est que ça? Xavinox? Oui, mais c'est pas un truc... c'est quand on le fait pop, non, lui? Je me souviens plus. Je sais plus, il y a un truc comme ça là. Attention, ici c'est une zone amicale à la base. Beaucoup d'événements d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup d'événements dans cette zone. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a comme event qui va arriver là bientôt? 10e anniversaire d'Hearthstone. Oh putain! Anniversaire d'Hearthstone! Et donc? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça fait quoi? Rejoignez-nous à Valdraken, Hurlevent et Urgrimmar pour rendre hommage au jeu de cartes si amusant qui nous ravit depuis 10 ans. 10 ans déjà, bordel de merde. Ok, ben, je regarderai, qu'est-ce que ça fait? Ça, on s'en fout. Paléon Goro, bon, ouais, ok. Épreuve de style, ça, on s'en fout. Ça, c'est Osef. Ah, attendez, deux petites secondes. Navré. Hop! De retour, mesdames et messieurs, navré. Petit coup de téléphone urgent important. Bref, donc retournons à nos moutons, enfin à nos familiers pour le coup. Et allons voir si Sian est disponible. Je l'espère. Oh! Oh! Ah non. C'est pas le bon. Vous voyez la quête là? malheureusement. On va essayer de tourner, hein. On va essayer de tourner. Oh, il est là! Oh oui! Oh yes! Oh yes! Alors, vite! Dans la Pokéball! Dans ma merde pas là. Sian! Viens ici. Tu es à moi. Regardez comme il est beau. Oh, je suis content. Ta-da. Ah, ça fait plaisir. Il est trop beau. Il est trop beau, ce familier. Voilà. Un beau lion. Alors, lion dents de sabre, je sais pas trop comment on peut dire. Tout blanc. Ça fait trop plaisir. Il est vraiment trop beau. Impeccable. Et donc, vous voyez ça là, quand on la tue, elle, avec une quête, en fait, on récupère un des bébés qui est derrière. Et il faut qu'on amène des trucs à elle là, elle ou lui. Lui, tous les jours pour pouvoir après avoir cette monture. Donc, que je n'ai jamais faite d'ailleurs en passant, MDR. Donc vous comprenez pourquoi souvent, en fait, il est buté, ce familier. Donc je suis vraiment, vraiment très, très content de l'avoir récupéré, ça fait trop plaisir. Où est-il? Il l'a. Donc cette histoire
de trucs sont rivage, je verrai. Il faut qu'on aille à Stratholm, enfin à côté de Stratholm. À côté de la porte des ténèbres, qu'on aille sur l'île des Draenei et qu'on aille... ouais, il nous en reste encore 1, 2, 3, 4 à check. Et ça va pas être trop compliqué parce que... parce que... En fait... Est-ce qu'on peut aller sur l'île de Brumazur directement? Je vous avoue que ça m'éviterait de me faire chier. Y a par là un bateau. Un batal. À la bataille! Ah non, à la bataille! Hop! Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on garde. Ça, on s'en fout. La nourriture, c'est pas un truc qui m'intéresse. Les petits compos comme ça non plus. Je sais que ça vaut des sous. Y a rien à jeter normalement. Faut jamais jeter des trucs. Mais! Si je garde tout, je m'en sortirai jamais. Donc, on va faire ça comme ça. Tout ça aux F. Hein. Faudrait que je remette mon add-on qui me permet de. De vérifier un petit peu les prix des objets. Oh, tant pis, pour l'instant je suis pas en train de m'occuper de tout ça. C'est pas important. Soit un bateau, soit on y va direct en vol. Hein, au pire, hein, j'ai envie de dire, ça éviterait qu'on se fasse chier. Ce qui pourrait être sympa de sec. Et on sera déjà à la fin, mesdames et messieurs, de, ce deuxième épisode bonus de ramassage de familiers. Et comme je vous ai dit, il va y en avoir encore beaucoup. Hein, parce que là... on en aura récupéré combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 7, pardon. Parce que celui-là, c'était un faux. 7. Là, on va en récupérer un autre. 8 sur quasiment 100%. Celui-là, c'est pas... Celui-là, c'est quasiment 100% aussi. Donc 9. Celui-là, je suis pas sûr. Peut-être 10. Donc, ouais, hein, peut-être 11. Ça ferait une belle collection. C'est ma collection. Mais non, en fait, je crois pas que je puisse y aller, d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte comme merde? On peut pas y aller directement. Je peux aller à, sur... Ah, si. Attendez, c'est bon. Si. N'écoutez pas les conneries que je suis en train de raconter. It's ok. Donc là, on va rentrer dans une petite section, entre guillemets, spécialisée sur les... comment ils s'appellent, ceux-là? Les chiens à deux têtes. Je me rappelle plus leur nom. Mais ils ont un nom, à la base. Assez spécifique. Et il y en a deux de couleur unique. Dont un vraiment sublime. Et pareil, hein, quasiment inconnu au bataillon. Toi, tu veux pas m'amener là-bas? Oh, si. Oh, si. Parfait. Trop bien d'avoir débloqué les TP. Donc là, on va essayer d'aller récupérer Kurken. Qui est vraiment pas dur, hein, pour le coup. Il est planqué. C'est pas lui. Il est planqué. Planqué là. Merde. Ça m'a tapé. Oui. Mais oui, parce qu'on va rentrer dans une zone où on n'a pas le droit de voler. Il est planqué, j'ai dit. Ici, normalement, je crois. Dans l'île du sang mode Z. Donc il va falloir qu'on aille à l'intérieur pour récupérer donc le rare qui est planqué là-dedans. Parce que ça, c'est pas du tout ce que je veux. Et puis c'est tout. Hein. Non, il est là-dedans, je crois. J'ai un doute, mais. Si. Là-bas. Là-bas ou là? Non, là. Je crois qu'il l'a, dans l'île du sang Mozé. Et donc c'est un familier magnifique. Albinos aussi, qui balance de la glace, enfin un truc blanc, une espèce de nuage blanc parmi ses, avec ses deux gueules là. Trop beau. Et on ira chercher une autre version, qui est une version... comment ça s'appelle? Jaune, pardon. Et elle existe qu'en une seule version, sur un pareil, un rare, qui est dans un autre endroit. Donc on ira récupérer ça. Donc là, malheureusement, on peut plus voler, ici. Ici, on n'a pas le droit de voler. Donc c'est pour ça que j'ai pris le fly, qui me permet directement d'aller sur place. Si vous l'avez pas, c'est un peu normal. Il faut avoir le jouet qui te permet de débloquer tous les points de vol du côté de l'Alliance. Enfin, du côté des Royaumes de l'Est. Et si c'est pas le cas, vous utilisez comment ça s'appelle, la salle des portails de la Tour des Mages. Ou alors, côté... côté Horde. Ah merde, non, côté Horde, vous êtes dans la merde. Côté Horde, vous allez devoir arriver jusqu'ici, à son rivage. Et malheureusement, pour aller sur l'île de Brumazur, ouais, il va falloir prendre un bateau. Hein. Ouais. Vous allez pas avoir 50 000 solutions pour pouvoir vous y rendre, vous. C'est vrai que c'est un peu chiant. Mais vous inquiétez pas.
hein, avant de commencer à crier au scandale, honteux, c'est pas juste, va falloir qu'on aille chercher un familier chez vous. Dans pas longtemps là, notre petit mécasto va devoir se rendre en plein hors Grimar et je peux vous assurer qu'on va passer un mauvais moment. On va se faire péter la gueule. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour récupérer des familiers rares? Allez, let's go. C'est par là-bas. Là, voilà. Donc, par là-bas. On va essayer de... Ouais, j'allais dire esquiver les mobs. C'est marrant qu'ils ne soient pas affichés d'ailleurs. Parce que je crois que ça n'est pas un rare, mais c'est juste un mob de quête. C'est juste un mob de quête qui est planqué dans la caverne à bon fond. Attends, c'est bien là-bas? J'ai un doute. Attends, non, c'est là? Attendez. Deux secondes, je réfléchis. Putain, je sais plus. Parce que, en fait, le problème. C'est que si je me trompe. Ou alors. Bah non. Putain, je sais plus. Il est où ce petit bâtard? Non, il est pas là. C'est pas le repère des. J'ai un doute. Si, c'est le repère des... Là, je crois. Repère des calmes pins. Merde, ça veut dire qu'il faut que je revienne en arrière. Putain, je sais plus. Le problème, c'est que c'est pas un rare, donc il sera pas affiché sur la carte en tant que rare. Je pourrais pas le check avec les petits trucs qui pop. On va vérifier ça là-bas, avant de revenir ici. Parce que j'ai pas envie de passer 45 ans. Je rappelle qu'on ne peut pas voler ici. En monture, alors que si ça se trouve, il est juste là-bas. J'ai un doute. Ah, ma mémoire, à l'aide. Chaque jour est une bénédiction. Portez-vous. Non, il est dans la caverne. Hein, je crois qu'il est dans la caverne de. On va vérifier. On va vérifier. Merde alors. Ah ça c'est con ça. D'être en mode... Eh merde. Parce que ça fait tellement longtemps que je suis parvenu dans cette zone. Que je ne me souviens plus exactement. Si c'est là-bas hein. C'est là-dedans, je crois. Brume azur ou brume sang? Non, brume azur. Non, mais il est là, hein, je pense. Hein. En vrai, je crois qu'il est là. Hein. On va voir, on va voir. De toute façon, on va voir, on va voir. On va voir. On profite comme ça de la jolie zone que quasiment plus personne n'explore, je crois. C'est un truc, ouais. Il doit pas y avoir grand monde qui s'y balade. Ouais, je crois que c'est là. Hein. Je vais m'en souvenir en fait quand je. Comment dire? Quand je vais rentrer. Je sais que c'est dans une grotte. Ça, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est cette grotte là-bas? Et par contre, comment se la pète avec tous nos familiers super stylés là? Je peux en domper, hein? Oui, j'ai encore un emplacement là. Putain, j'ai un doute. Oui, m'en reste un. Ok, faut pas non plus en ramasser 95, hein? Parce qu'après, il va falloir qu'on aille déposer tout ce bordel. Attends, c'est là-bas? Oui, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça, il est là. Attends, non, on le voit pas, c'est un caillou. Non, mais il est là-dedans, il est là-dedans, il est là-dedans, il est là-dedans. Je suis quasiment sûr que c'est ça.
Ouais, ça, je me rappelle de ces trucs là. Je me rappelle de ça. On va voir. Et en fait, c'est pas là. Et je passe pour un con. Non, mais normalement, c'est ça. Normalement, he's ok. Attends, quoique. Si, 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 il est là-bas en haut, je crois. Normalement. T'es où? Il est au fond? Non, il est au fond, il est pas là. Il est au fond, il doit être au fond là-bas. Oh, trop bien, on a des familles qui pop grâce à mon passif. Ouais, ouais. Si, c'est ça, hein. C'est totalement ça. Attends. Putain, j'y ai plus. Oui, il est là-bas, je l'ai vu. Haha, ok, voilà. Le Kurken. Bon. Eh ben, putain. Donc voilà, pareil, familier unique, skin unique, beauté 10 sur 10. Hein. Regardez-moi cette belle bestiole là, trop beau, hein, vraiment. Beauté absolue. Tada! Et donc voilà, et je me rappelle plus de quelle famille il fait partie. Mais celui-ci c'est le seul de ce skin là, et on en a un autre qu'on va aller chercher là. Qui est en jaune, tout simplement. Bon, mais voilà! Donc il est bel et bien dans le repère des calmes pins, juste à côté de l'Exodar. Bon, écoutez. Hop, ça c'est bon. Ça, c'est good. Et bien encore un familier de plus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est juste trop fort. Voilà. On est juste beaucoup trop fort. Bonjour. Je vous souhaite une bonne journée. Alors du coup, on va déposer tout ça. Hein. Donc Théropen, Holm la Sage qui est trop belle, Siam Protan aussi, Kurken. Voilà, on a vraiment des belles bêtes. Hein. Oh là là, cette collection de fous. Je rappelle que ceux-là sont éthérés. Le coursier, celui-là. Trop content. On a vraiment, vraiment une belle collection. Donc maintenant, j'ai toujours un familier. Hein. Oui. Méfie quand même. Attends, c'est qui? Acronis? Ah oui, on a gardé Acronis, c'est vrai. Donc maintenant qu'on est là, on va se diriger ici au Mont Roche Noir pour voir s'il y a Chromolos. Si on l'a pas, c'est pas très grave. Parce que c'est un... il y a deux façons de l'avoir, celui-ci. Donc la première façon, c'est de le trouver en rare, là. Là où on va aller, pour essayer de le trouver à côté donc de la zone. Il se balade à l'intérieur de... du Mont Roche Noir, là où il y a le raid. Mais cœur du magma donc. Mais sinon on peut l'avoir aussi dans le raid en tant que boss Chromagus tout simplement. Donc c'est pas très grave si on l'a pas là, si le rare ne pop pas dans cette zone, parce que à 100% de chance on le récupérera dans le raid au pire. Mais bon, ça coûte rien d'aller faire un petit tour, parce qu'après il faudra qu'on descende ici à la porte des ténèbres pour aller voir Grunter. Non, pas Grunter, c'est Macronos, qui sera donc le troisième de la famille de Kurken qu'on vient de récupérer à l'instant, là, le blanc, qui aura des skins différents. Donc un jaune, un blanc, et celui-ci avec des pics un petit peu partout, gris, avec des yeux rouges. Chromagus, tout simplement, hein, voilà, avec des chaînes. Vraiment stylé. Donc comme ça, ça fera 3. Et puis après ça, eh bien, il nous en restera un seul à aller check. Un petit sanglier spectral. On ira voir ça. Donc... celui-ci, c'est pas compliqué. Hein. Je vous dis au cas où, il tourne. Vous voyez cet anneau-là, qui fait tout le tour, qui monte et qui revient. Voilà, il est, voilà, il tourne ici. Donc tout simplement, on se balade là, comme ça. Et on regarde s'il est là. Il n'a pas l'air d'être là. Il marche sur ça, là. Voilà, il tourne, il chill. Il chillaxe à max. Je l'ai vu, je crois, deux fois à peine. Depuis que je... Ah ! Bah, trois. Ok. Bon, bah... Allez, viens là. Hein. Et donc, voilà. Chromolos, qui est skin pareil, hein, très, très spécifique. Si vous l'avez pas en rare, c'est pas grave, comme je dis, vous pouvez l'avoir en raid. Bon là, on le voit pas très bien avec les couleurs dégueulasses, l'éclairage qu'il y a dans la zone, mais c'est pas méchant. Trop content de l'avoir, du coup, bah, parfait. Hein. Il y a des piques dans tous les sens, là.
Il a pas les yeux rouges, j'ai dit conneries, il avait les yeux jaunes. J'avais souvenir qu'il avait les yeux rouges. Il a des chaînes, des pointes et tout partout. Trop stylé. En plus, on va se la péter parce que il a le nom lorsqu'on l'a récupéré du rare. Voilà quoi. Ça voudra dire qu'on l'a récupéré le rare. On pourra se la péter en disant ouais, moi j'ai récupéré le rare. J'ai pas eu la version qu'il y avait dans le donjon. Très stylé aussi. Hein. Il va bien avec mes couleurs lui. Il est tout violet. Souvenir, il était gris comme quoi. Hein. Pas des bons souvenirs. Ah ouais, il rend trop bien. Ok. Allez hop. Maintenant, allons chercher son poteau qui est tout là-bas en bas. Hein. Bon, ben, on a du voyage à faire. L'avant-dernier à check. Et après, on ira... Là. C'est lui. Vara. Ouais, c'est lui là, par là. Qui est un sanglier spectral. Qu'on ira récupérer. Et puis voilà. Et puis on s'arrêtera là pour cet épisode bonus, mesdames et messieurs, qui aurait été assez long, mais on s'en fout. Comme je dis, c'est des épisodes bonus, je regarde pas le temps. Ça prend le temps que ça prend. Voilà. Et ça fait plus de WoW. Le temps qu'il gratte comme il peut. Qu'il se trouve des excuses pour encore plus jouer et pas faire les autres séries. Hein, Goltor, quand est-ce qu'elles arrivent les séries là? Hein. Bon. Je rappelle qu'il n'y a pas le world, qu'il faut continuer, il y a des jeux à tester, il y a toujours des jeux aussi qui ont été envoyés par des développeurs qu'il faudrait que tu testes parce que voilà. Ouais, je sais. Toutes les séries que t'as arrêtées, c'est honteux. Voilà. Désolé. On le fera un jour. Ou pas. Mais voilà. A Fest Gnoll. Miam, miam, miam. C'est marrant, il a détecté d'ici. Ah ouais. On y est presque, hein. C'est pas très loin. Ah, c'est lui. Hein. De toute façon, on est dans la bonne version parce qu'il faut pas oublier que Zidormi, il faut lui parler, sinon il faut être dans la version du passé, pas la version actuelle avec la horde de fer, tout ça là, qui sort du portail, qui est donc l'histoire de merde. Voilà. Hein? Ouais, c'est ça, exactement. J'ai perdu le nom de l'extension. Il y en a trop aussi. Warlord of Draenor. Non, j'allais chercher, puis ça m'est revenu. Je voulais cliquer sur le bouquin pour revoir un petit peu les zones avec les comment ça s'appelle. Putain, on a rien fait là. Avec les raids. Mais c'était Warlord of Draenor. Il y en a. Il commence à y en avoir des extensions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à la 10ème extension, bordel de merde. Déjà. Donc c'est pas lui. J'ai dit de la merde. Non, parce que là c'est un. Comment ça s'appelle? C'est pas lui. Ça va être lui là. Grunter donc. Non, Grunter c'est un cochon. Terimus. Non, Terimus c'est un dragon. Attendez, on va se balader. Ah, il est là. Si, c'est lui là. Gomegaz. C'est pas un rare du tout. Nickel. Bon, lui, donc du coup. Dernier de la famille. Ah, tatatata. Revenez. Arrêtez. Non, je suis pas là. Attends, au pire. Voilà, donc celui-ci, dernier de la catégorie donc de ces familiers-là. Dernier qui a un skin unique. Et j'ai marqué Gomegaz, en plus je suis vraiment qu'un gros con, hein. Je sais pas pourquoi, j'étais en train de chercher des mobs alors que je l'ai marqué sur ma liste avec son vrai nom. Mais he's ok, voilà. Donc, chien du magma, je crois que c'est ça leur nom, si j'ai pas de bêtises, c'est les chiens du magma. Trop stylé cette couleur. Et ben voilà, donc maintenant il nous en reste plus qu'un. Ouais, je vérifie. Ouais, il nous en reste plus qu'un. Celui de la Horde, je vous le dis tout de suite, on va pas y aller. Hein. Pas maintenant. Ça va être un petit peu compliqué. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut qu'on retourne là-bas, quoi. Faut qu'on retourne dans les Maltaires de l'Est. C'est lui. Hein. Bon, écoutez, on va prendre un fly. I believe I can fly. Ce sera le dernier petit... Voilà. Hein, on se baladera un peu. C'est un peu long. He's ok. Faut ce qu'il faut. Il est pas là, l'autre con de... Mob rare là? Je le vois pas.
On peut le choper lui aussi. Des trucs mort-vivants dégueulasses. Y'a pas le fly? Non, pas de fly. Pourquoi y'a pas de fly? Parce qu'il faut faire une quête? Sûrement. Au pire, y'a celui-là, là, en haut de la tour, non? Y'en a pas un là? Souvenir là. Non? Bah non. Bah non, parce que celui dont je parle, c'est la version où c'est détruit. Si, y'en a un par là! Attendez. Non? Y'a pas de fly. Bouh! 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 Bah non. Bah non. Bonjour. Qu'est-ce que vous cherchez? Ben on va mettre ça, hein. Et ça. Et vous savez quoi? Comme on est gentil. Ouais, c'est les chiens du magma, c'est marqué, c'est bien ça. On va les mettre ensemble. On va les catégoriser ensemble. Parfait. Que la journée soit bonne. Ouais. Ben merde. Ah, attendez, on va faire un truc d'ailleurs. On est ouvert. Bah, j'espère que vous êtes ouvert. Est-ce que je mettrai pas. Sur là, on a Acronis. Non, non, Chromolos, j'aime bien les trucs éthérés. On va laisser Acronis. Bah écoutez, on va bouger. On va aller au Gateless Round pour récupérer le fly. Putain, dommage. J'ai essayé de faire en sorte de pas trop faire d'aller-retour. Mais bon, je me suis un peu planté sur le coup. C'est dommage parce que quand on était tout à l'heure, quand on était ici à la clairière de Tirisfol, on aurait pu y aller directement. Bon, c'est pas grave. On aurait pu directement, on était juste à côté. Hein. Là, on va devoir se taper une bonne session de vol. Juste pour aller check un mob, c'est un peu con. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Bonjour monsieur. Non, c'est pas toi. Bonjour monsieur. Dame. Bonjour. Truc. Oh putain, le chemin qu'on va se faire. Ah bah go, hein, tant pis hein. Tant pis hein. Bon, vous vous en foutez, de toute façon vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à accélérer hein. Si jamais vous voulez vraiment aller voir des endroits où on va récupérer des familiers spécifiques et pas m'entendre parler de tout et de rien pendant 45 ans. Bon bah dans ces cas là regardez pas mes vidéos alors. Parce qu'en fait ça s'est raté pour le coup. Parce que je... parler d'un peu tout et n'importe quoi, je fais ça à chaque fois. Mais pour ce qui est là de, du coup de ce familier là, au pire vous pouvez avancer. Après vous l'avez vu hein. Je vous ai montré, il est là, c'est celui-là. Vara, petit cochon spectral. Alors sanglier spectral, petit cochon, mais... Et du coup, on en aura récupéré combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, c'est le 12e. Chor. Ah ouais. Ah ouais. Putain, on est fort. On est fort de fou. En vrai, on est fort de fou. Ça, c'est dans des raids, ça, c'est dans des quêtes, ça, c'est dans des quêtes, ça, c'est dans des raids, ça, c'est des donjons, ça, c'est des quêtes, ça, c'est des quêtes, ça, c'est des raids, donjons, donjons, donjons. Zone, on n'a pas accès, 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 zone, on n'a pas accès. Ouais, on a plein de zones, on n'a pas accès, en gros, vous avez compris l'idée, quoi. Mais, ouais. Les porcs épiques, cul les va. Ah, d'ailleurs, putain, c'est vrai que j'ai compté ça, mais... En fait, il y en a beaucoup plus que 58. Enfin, 57, parce que je me suis trompé, il y en a un que j'ai noté en double. Mais il y en avait 60. Et oui, parce qu'il y a les 3 porcs épiques. Ça fait qu'une seule ligne, mais il y en a 3. Ça, c'est quête. Ça, c'est quête. Ça, c'est zone. Ça, c'est zone qu'on n'a pas accès non plus. Pas accès non plus. Ça, c'est un truc bien spécial. Zone, on n'a pas accès avec une quête. Ou en plus, il faut faire un truc à la con. Ouais, il y en a, je peux vous assurer que pour les avoir, les familiers, il va falloir qu'on s'accroche à nos slibards bien comme il faut. Et ça aussi je peux l'avoir avec l'autre. Ça c'est donjon, ça c'est raid, ça c'est world boss. Oui, parce qu'on ira dompter des world boss, mesdames et messieurs, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Ça c'est raid. Ouais, bon, voilà. En gros, on aura récupéré, à part donc ce fameux ça me fait chier ça, ce
ce tigre spectral là. Donc ouais. Ouais. Je regarderai ça de plus près. Ouais, et ça c'est un truc où il faut aller à la horde. Chez la horde, donc bon. Ouais, pas tout de suite, hein, quand on sera un petit peu équipé. Bon, on est où là? Bon, ça va, on a fait la moitié. Ça va, ça va, ça passe assez vite. En vrai. Ouais, très content, la liste a été bien, bien entamée. Donc ouais, hein, je pense qu'on aura un, voire deux, voire trois épisodes supplémentaires de chasse aux familles rares. Rares, slash unique, slash truc un petit peu planqué. Avant de terminer ça. Après, il y en aura peut-être encore par-ci par-là, droite à gauche, que j'irai check. Mais que ça sera directement dans les épisodes classiques, je pense. Là, vraiment, des épisodes vraiment spécifiques dédiés à la chasse aux rares, il y en aura quoi. 5 grands max, je pense. Ça dépendra de la vitesse à laquelle on arrive à les choper aussi, évidemment. Et la rareté des pops de ces mobs, parce qu'il y en a certains, malheureusement, qu'on devra récupérer dans les dernières zones du jeu en étant. Comment ça s'appelle ? Au level où tout le monde est. C'est-à-dire qu'on sera plus. Phasé comme on est là. Donc on aura plein de joueurs qui se baladeront et donc il y aura beaucoup moins de chances de les récupérer parce qu'évidemment ce sera beaucoup plus rare pour les attraper. Donc ça deviendra plus complexe pour certains. J'en vois certains là qui sont vraiment beaux, je donne pas les noms parce que ce sera la surprise. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller check, hein. Si jamais vous avez envie de vous faire votre propre collection, n'hésitez pas à regarder, hein, ce site Petopia, vraiment. C'est un site de fou. Ça prend du temps de vraiment regarder tous les skins un par un, de voir lesquels sont dispo, lesquels sont pas dispo et tout, mais ça vaut le coup parce que vous avez vu la collection qu'on a déjà. Elle est belle, hein. Elle est vraiment belle, hein. Il y a quand même des belles trouvailles. Il nous en reste encore. Malheureusement, aller chercher et je suis en train de penser que... Ouais. Je suis en train de réfléchir, il y en a certains qu'on ira récupérer quand on sera plus phasé. On spammera des quêtes. Parce que ceux-là, je sais qu'il y en a trois là. Il y en a trois, c'est sûr et certain, ils sont campés. Mais alors campés, mesdames et messieurs, quelque chose de bien. Il y en a beaucoup, beaucoup qui les veulent. Donc ces trois-là, on ira les récupérer quand on sera plus en phase. Comme ça, on aura un niveau qui sera trop haut par rapport aux monstres. Et on pourra spam les quêtes. Ah, quoique non. Ah ben non, il faut pas que je fasse ça comme ça. Il faut que je fasse l'inverse. Ah, ça va être la merde, ça. Ou alors... Il va falloir que je réfléchisse à comment faire pour continuer à être phasé. Mais ne pas être level 58 pour pouvoir récupérer ces familiers. Parce qu'une fois qu'on sera level 58, malheureusement, on retournera en phase avec tous les joueurs. Ah non, que pour la dernière zone. Et non. Désolé, hein. Je réfléchis. Et c'est un peu le bordel, cette histoire de phasing, là. Pour expliquer... Parce que là, je parle des trucs, peut-être qu'il y en a plein qui comprennent pas. En gros, le jeu fait en sorte de nous mettre le niveau du monde à notre niveau à nous. Vous avez vu, là, le monstre qu'on vient de voir, il est level 52. Parce que nous, on est 51. Et ce sera tout le temps comme ça. Quand on passera 52, ils seront 53, ou ça, bref, ils tourneront aux alentours de notre niveau à nous. Ça nous permet de monter en expérience et monter en level un petit peu partout pour s'amuser dans les différentes zones du jeu, parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones dans World of Warcraft. Et ils ont mis ce système pour que... Bon, je vais arrêter de les enlever parce qu'en fait, ça va tous les voir là. C'est la nouvelle zone... Bref, j'en parlerai une autre fois de ça d'ici. Et donc du coup ça permet de faire en sorte que les gens puissent monter en niveau dans la zone qu'ils aiment. S'ils ont envie de monter en niveau dans la zone de cataclysme, dans l'extension,
eh ben ils y vont. S'ils ont envie de monter un niveau comme nous, on a fait en Outre-Terre, eh ben ils peuvent. Voilà, Pandari, voilà, même principe. Donc comme ça, ça met tous les monstres à ton niveau, ils suivent ton niveau, et ça te permet donc de pouvoir monter tranquillement en level, t'amuser et faire ta petite life pépère. Et en faisant ça, en fait, il va mettre tous les gens de la, du même niveau et qui ont choisi la même ligne temporelle, donc qui ont choisi telle ou telle extension, ensemble. C'est pour ça que très souvent on est tout seul, ou très peu, parce que des niveaux 51 qui ont choisi la ligne temporelle d'Outre-Terre, qui se baladent ici, bah, il n'y en a pas beaucoup, et qui en plus ont activé le mode guerre. Vous voyez, ça fait vraiment des filtres, qui fait que bah, y a très peu de joueurs qui ont exactement le même truc que toi, qui ont choisi pareil, la même zone, avec la même ligne temporelle, et qui ont activé le mode guerre. Donc c'est plutôt pratique. Cependant, là où ça devient problématique, c'est quand on perd ce truc de ligne temporelle, et là on se retrouve avec tout le monde. Pour les rares notamment, forcément c'est beaucoup plus compliqué, parce que ben, comme il y a beaucoup de gens qui passent, ben, ils les capturent, ou ils les tuent, ou bref. Donc nous, pour la chasse aux familiers, ça devient un petit peu plus problématique. Il faut avoir de la chance, ou rester sur place pendant longtemps, pour que le familier apparaisse au moment où tu as envie de le récupérer. Tout ça pour dire que, là actuellement, j'ai des familiers en tête que je voudrais aller récupérer, qui sont extrêmement recherchés par la communauté des chasseurs, parce que c'est des familiers qui sont très beaux donc à avoir à tes côtés. Donc je sais qu'ils sont énormément campés, et donc j'aimerais bien les récupérer avant qu'on perde cette histoire de phase. Pour ça, il y a plein de solutions. Soit j'y vais maintenant, soit je change de ligne temporelle, soit je bloque mon expérience. Il y a plein de mécaniques, il faut que je réfléchisse à ça et voir qu'est-ce qui fait que je reste ou pas dans cette phase, qu'est-ce qui fait que j'en sors, enfin bref, voilà quoi. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça, je réfléchirai au pire hors vidéo, parce que de toute façon on est arrivé sur place, oui, et on va aller récupérer ce petit cochon. Mais ouais, il faut que je réfléchisse à ça. Parce que niveau 58, en fait, on perd cette histoire de phase, comme je vous ai dit, et on se retrouve à être mélangé avec tout le monde. Et le seul endroit où on est phasé, c'est ici. Non, merde. Là, dans les îles aux dragons. Donc, c'est emmerdant. C'est emmerdant pour nous, collectionneurs. Et collectionneuses, évidemment. Donc ouais, je vais réfléchir à ça, et peut-être qu'en fait, on ira faire un truc spécial. Peut-être qu'on va changer cette histoire de quête en Outre-Terre. Juste pour débloquer un truc. Et pour récupérer des familles qui sont vraiment chiants à avoir. Il y en a vraiment très peu, hein, qui m'embêtent là actuellement. Il y en a un qu'il faudrait qu'on aille chercher, qui est dans une autre extension aussi, mais qui est planqué au fin fond du trou du cul du monde de l'extension. C'est un peu de la merde pour aller les récupérer. Il faut qu'on fasse toute une suite de quêtes et tout. Ouais, il va falloir qu'on se décide là. Parce qu'on est trop vite monté en niveau. Là, actuellement, j'en ai 1, 2, 3. Tout ça, malheureusement, j'ai pas le choix. On devra se battre pour les récupérer. 4. 5. 6. Non, 5. Allez, 6. Si, si, celui-là, ça sera 6. 7. 8. 9. Ouais, quand même, hein. Oh, ça, on devra, ouais, pas le choix. 10. Oh. 11. Ouh. On en a 11, mesdames et messieurs. 11 familiers rares qui peuvent être très recherchés par les joueurs et qui seront très difficiles à avoir une fois qu'on perdra le phasing. Donc il y a des chances qu'en fait on fasse un autre épisode dans pas longtemps. Et non, je peux pas. Parce qu'il y en a plein en fait qui sont bleus. Bon bref, je me démerderai. Je me démerderai. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors du coup, il est là. Vara, le sanglier spectral, qui est le dernier de la liste. Hein, quoi ?
Dernier de la... Aïe. De la liste donc de cet épisode aujourd'hui à récupérer. Et voilà. Ta-da-ta-ta-da. Un familier spectral, on voit à travers. Ouah, trop beau. Bon, c'est un sanglier mort-vivant. J'aime beaucoup. J'aime bien les morts-vivants, les familiers morts-vivants. Je trouve qu'ils ont un petit style assez intéressant. Et on s'est tapé tout ce voyage pour pas grand-chose, du coup, malheureusement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Écoutez, mesdames et messieurs, la liste, c'est bien remplie. On en a récupéré beaucoup, des très beaux, des trucs assez rares et tout, notamment ben, celui qui était vraiment un que je voulais très fort dans ma collection, c'est Acronis. Très content de l'avoir chopé, celui-là. Et plein d'autres aussi, évidemment, mais celui-ci, quand même, j'avoue que c'était mon préféré de la section qu'on a attrapé. Bon, on a eu un petit peu de mal sur Théropène parce qu'il nous a emmerdé, là. Mais avec cette petite astuce de se mettre en 90% de réduction de dégâts, ça a permis de le faire. Donc du coup, Vara, hop là, dans le PC de Léo. Celui-ci très content. Alors on va refaire un petit check-up au pire. Qu'est-ce qu'on a pris? Aucun familier spectral de plus ici, je crois. Non. On a récupéré Nocturne, très cool. Mâche les os, très très stylé. Ce coursier vraiment que j'aime vraiment beaucoup parce que voilà, il me fait trop délirer. Celui-ci c'est pas un très rare en vrai. Hein. Il pop juste dans une certaine zone, mais c'est pas. C'est le moins rare de ceux qu'on vient de récupérer. Celui-ci unique. Trop content de l'avoir. Vraiment, vraiment. Bon, celui-ci nous a un peu emmerdé, mais c'est fait. Magnifique si Holm. C'est vrai que Holm. Très 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 content de l'avoir. Cyan hein. Rotam aussi. Oh, celui-là. Celui-là, pour l'avoir, je peux vous dire que. Ouais. Faut s'accrocher. Et Vara. Vara, pourquoi pas. Ensuite, Chromolos, Gomegaz et le Kurken. Très cool à avoir. Celui-ci et celui-ci sont uniques en skin. Et celui-ci en boss et en familier. Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Que la journée soit bonne. Belle collection qui avance. Et qui, du coup, nous permet de terminer cet épisode. Ouais, on en aura un autre qui ira avec Acronis. Parce que là, malheureusement, Gondria ne va pas très bien avec. C'est pas les mêmes types de couleurs, mais je sais où est. Le family qui ira très bien avec Acronis. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, mesdames et messieurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Bonne chasse à celles et ceux qui iront en récupérer. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions si vous avez besoin d'avoir des informations sur n'importe quelle vidéo, vraiment. Que ce soit sur des vidéos de là, d'aujourd'hui, d'il y a 5, 6, 7 ans, je m'en fous. J'essaie de répondre à tout. Et dans le pire des cas, n'hésitez pas au pire à venir sur le Discord, à poser la question directement sur place. Il y a plein de gens adorables, vraiment, qui connaissent beaucoup de choses sur WoW. Et qui pourront vous aider, tout simplement. Des gros bisous. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode, qui sera un épisode, je pense, normal. Mais on switchera de quête et tout, vous verrez. Parce que on va quitter l'Outre-Terre, on a des choses à faire ailleurs. La chasse aux familiers n'est pas terminée, mesdames et messieurs. Allez, je file. Je vous fais des gros bisous. Portal inquiétant vient d'apparaître. Comment ça, portail inquiétant? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On le voit, il vient d'apparaître. Qu'est-ce qu'il fait? Ça sert à quoi? Attendez, mesdames et messieurs, il y a un truc qui vient de... Je sais pas ce que c'est, mais quelque chose se passe. À l'aide. Que font les gens? Pièce de Warcraft Rumble vient d'apparaître. Ouais. Quelque chose approche. Dans 4 minutes. Bah, attendez. Va falloir qu'on tienne un petit peu plus. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout ce que c'est. La pièce de Warcraft Rumble, elle a été récupérée. Non, elle est là. Il se passe des choses, hein. Warcraft Rumble métallisé. Ok. Quand tout à coup, quelque chose vient de perturber la chasse. là. Ok.
Apporter la machine à Warcraft Vanbub pour obtenir une nouvelle apparence de figurine. D'accord. Dis au compte. Attendez, on va voir. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? C'est quoi ça? Maître des cérémonies. Je vous souhaite une bonne journée. C'est l'heure de jouer à Hearthstone. Voici un paquet de départs voleux et ajoutez des cartes à votre collection. Ensuite, vous trouvez une place, une table de jeu, c'est vous. Marchand de louche, envie de voir. Si tu veux. Osef. Que disent les gens? Portail. Dans 2 minutes, il pop. Quelqu'un dure le vent ou port. Merci, regarde ta carte, il vient d'apparaître. Tu es des rares qui respawnent toutes les heures. Un événement bien maigre. Oh là là. Non, les gars, résistez. Alors, déjà, résistez. Hein, EZ. Nos tombées, EZ. Pas dans la satisfaction d'un rien. C'est ouf comme vous avez tous les deux. Tous les deux raisons. Ouais, ouais. Après, c'est mieux que rien. Oh là là, les gens, putain. Vraiment. Les gens, tu leur donnes rien, ils râlent. Tu leur donnes quelque chose, ils râlent. Merde. Je suis en PVP mode. Enlevons le PVP mode. Je vais me faire fumer, sinon. Oui, voilà. On va lancer des éclairages. Hein. Le problème, c'est que mon mode PVP s'enlève dans 5 minutes, mesdames et messieurs. Et ça apparaît dans 1 minute 47. C'est un peu le problème. Il est là. J'ai mis une marque dessus. Hein. C'est un chasseur qui a fait feindre la mort. Me tape pas, hein, s'il te plaît, hein. C'est de la fumisterie à ce stade. Bon, voilà. Quand je vous avais parlé tout à l'heure, mesdames et messieurs, des gens qui s'énervent pour un rien, qui sont pas contents parce que dès qu'il y a un truc qui pop, c'est pas ce qu'ils veulent exactement. Bon, voilà quoi. Oh, j'ai pas réussi. Fuck! J'ai pas réussi à faire un slash serré sur son cadavre. Je voulais avoir le succès. Faites l'amour, pas la guerre. Mais bon. Raté. Tom tom param param. Donc apparemment c'est lié à l'événement de Hearthstone, là, des 10 ans d'Hearthstone. Bon, pourquoi pas, hein. Bon, après je me fais pas trop de soucis pour ce qui est comment ça s'appelle, PVP. Parce que s'il y a des gens qui me tapent, bon, je vais mourir instantanément évidemment avec le level des gens qui seront beaucoup trop élevés par rapport à moi. Mais... Attendez. Est-ce que je vais pouvoir faire un slash serré? On va essayer. Pour avoir le fait. J'ai pas réussi. C'est pas grave. À mort! À mort le rare! On tape dans le tas, on sait pas ce qu'on fait, c'est pas grave. Je suis mort, évidemment. On va pas libérer, hein. Je vais attendre. Ah, parce que j'ai pas mis serré, j'ai mis cérèse. Je vais pas libérer parce que je les ai touchés normalement, donc ça va me permettre d'avoir d'avoir le truc de du loot. Sinon il va falloir que je revienne et que je les retape. Normalement ils sont tag, ce qu'on appelle. Quand on met un dégât sur un ennemi, je vous déconseille de libérer tout de suite. Parce que sinon si vous partez et que vous revenez, vous perdez le tag sur le mob, c'est un peu chiant. Dead. Et lui, bah je sais pas, Docteur Boom. Hein. Ah, c'est 1 million quand même, hein. Parce que là, le temps que je libère et que je revienne, je sais même pas si on a le droit d'avoir en plus la... Allez, normalement, je me suis fait attaquer, vous voyez, météore par des joueurs. Je sais même pas si on aura la monture volante. Donc on va libérer maintenant, c'est fait. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semble. On n'a pas la monture, donc on est obligé de se taper tout le chemin à pattes. Bon, je sais pas ce que ça a fait, est-ce que ça a été utile ou pas. Q.
aucune idée. Je me renseignerai pour cette histoire d'événement. C'est pas là, hein. Ouais, c'est pas là. Putain, ça va être chiant. Ça va être chiant, quoi. Oh, vous savez ce que je vais faire? Je vais utiliser le mal de res parce que ça me saoule. Parce que ça me saoule, tout simplement. Oh, c'est que 50 secondes le mal de res? C'est plus de 10 minutes? What? Ok. Dans 43 secondes, je sors du mode PVP. Et puis ce sera cool. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a rien. Y a pas de loot, y a pas quoi que ce soit, ça sert à rien. Ouais, bon. First try, la rose des vents, ok, y a des items à récupérer apparemment. Bon. On verra bien. Eh bien écoutez mesdames et messieurs, ce petit ajout n'aura pas servi à grand chose. Parce que ben, on n'a rien eu de plus. Un novice de Hearthstone, récupérer 10 cartes de Hearthstone, d'accord. Bon, apparemment il y a un petit truc à faire avec des événements, je vais regarder. Événements mondiaux, est-ce que ça va être là-dedans? Non, pas du tout. Ça va être un truc spécifique. Bon, c'est pas très grave, on verra bien. Je me renseignerai sur ça. Sur ce, ladies and gentlemen, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et puis voilà, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.